Depuis la création du monde, chaque changement climatique, chaque perturbation d'équilibre des écosystèmes, chaque anomalie a contraint le vivant à s'adapter pour survivre. Il se développe et mute en réaction à ce qui le contraint. Il crée des réponses physiques pour se protéger de ce qui l'attaque. Et si je mets ma tête sur le côté, comme ça? Non, je préfère pas, vu ça. C'est pas le Covid. Allez, prends-les tous. Ok. Bon, je vais y aller. Parti du vide, il est devenu plein. Parti du silence, il est devenu chaos. Parti de rien, il a créé le monde. Excusez-moi, vous pouvez mettre votre masque, s'il vous plaît. Un masque? Oui, bien sûr. Non, mais monsieur, je ne peux pas vous arrêter. Je suis désolé, c'est pas le problème. Non, mais il y a ça, c'est vous partez maintenant, faites pas envie. À chaque étape, chaque statu quo, le vivant se réinvente pour s'extraire de sa condition quand celle-ci n'est plus viable, désuète, inutile, contre-productive, contre-créative. Oula, non. Là, tu m'approches pas, toi. Mais j'ai mon masque. J'ai participé au projet l'année dernière. Ouais, non, mais attends, t'as vu la tête que tu as là? Il y a un virus sur patte. Non, tu prends de l'espace. Ah hein, vas-y, ouais, bah tu en plus ici tous, le con. Hein. Non, mais vas-y, plus loin, faire ta vie. Je vais plus loin, mais pas ici. Hein. C'est pas le Covid! Ah, et puis ça là! J'éternue 1 balle! J'éternue 2 balles! J'éternue 3 balles! Bah, j'ai plus de balles! On espère que ça ira mieux demain ou l'année prochaine. Pour lui, ce qui est crucial. Je veux aussi chaleureusement les Françaises et les Français qui, malgré le contexte, se sont rendus aux urnes. Pour le strict respect. Putain, mais. Ah, mais c'est quoi ce délire? Je comprends pas. C'est quoi? L'empreinte générée sur les pionniers des évolutions est irréversible. Leurs choix qui en découlent seront teintés d'une solitude unique, nouvelle, ostracisante et bénéfique. L'immunité promise a un prix. Hi.
Le vivant mute lorsque sa condition devient une entrave à la vie. Julien est le patient zéro d'une mutation particulière de l'espèce humaine. Il est le premier à avoir développé une allergie à l'absurdité.